Dani Gélinas, félicitations pour la victoire. On a vu une bonne réaction du HC Sierre aujourd'hui après un match difficile samedi. Vous êtes très bien entré dans le match et dans le deuxième tiers. Quelles sont vos impressions sur ce match? Oui, effectivement, on a eu 7 premières minutes au premier tiers très bonnes. Aussitôt que le 1 est arrivé, on a eu l'impression que le match paraissait facile et on s'est laissé embarquer dans un faux rythme avec Zoug. Et puis finalement, le tiers-temps s'est fini en 1. Très bonne réaction au deuxième tiers, un peu comme la première période. On est rentré fort, on a eu beaucoup d'occasions, on les a mis au fond. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais perdu le contrôle du match. Vous avez un match mercredi à Ajoie, ça fera le 4e match en une semaine. Comment est-ce qu'en tant qu'entraîneur, on gère un calendrier aussi chargé? Ben, c'est un peu ce qu'on a fait un peu ce soir, c'est-à-dire que d'amener Connor ce soir à la place de Rémo pour laisser Rémo souffler aussi. Ça, c'était déjà préparé depuis déjà presque 2 semaines auparavant. Ensuite, on a tourné beaucoup avec l'effectif. J'ai profité du score pour faire tourner tout l'effectif, de donner de la glace un petit peu plus à ma 4e ligne, justement pour libérer un peu les 2 premiers blocs où d'habitude les 2 premiers blocs tournent beaucoup. Alors voilà, on essaie de trouver des situations pour permettre à chaque joueur de récupérer du mieux qu'il peut. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que récupérer lorsqu'il fait moins 10 dans une patinoire, je ne sais pas si on est capable. C'est vrai que c'est compliqué avec cette température. Merci beaucoup, Dani, et bon match mercredi à Ajoie. Merci.